Alors on est dans justement le stand Baidi, nouvelle marque qui vient d'arriver donc en France. Pour l'instant ça va, tu verras quand on va la pousser. Avec ici, donc là c'était le monospace et ici on a la version berline. Une autre version berline luxueuse, hein. Super belle. Là-bas, un autre SUV. Ils ont un grand stand, hein. Pas mal de voitures à présenter. Regardez là la SEAL. Avec une thématique arrière qui est sympa. Là-bas, la ATTD3 qui ressemble à un arrière de Marvel. Et ici, on a une thermique. Donc là on est sur la Baidi, c'est laquelle celle-là? C'est la Anne. Donc c'est la concurrente, on va dire directe de la Tesla. Donc comme vous pouvez voir, une très très bonne berline. Bonne voiture. Des grosses jantes en 19 pouces. Une thématique arrière, regardez, sur le frein qui est vraiment bien. Build your dreams. Voilà, ce qui veut dire Baidi. Donc ici c'est la Anne 3.9S, 512 chevaux, rien que ça, ça envoie du steak, hein. Donc on va l'essayer et je vais vous donner mon ressenti. Vous avez vu les poignées qui sont ressorties là? Voilà, regardez à l'intérieur, c'est magnifique. Regardez, même le chauffage à l'arrière, c'est un écran incroyable. On est dans le luxe. Si on va filmer le coffre. Donc là on a un coffre 410 litres. 410 litres, fort intéressant d'ailleurs. Par contre, ce qui est bien, ce que je remarque, c'est qu'il y a une trapasse qui est très rare maintenant. Voilà, on peut mettre le chargeur. Il y a un kit de gonflage, donc il y a une trapasse qui, comme il parlait là-bas au fond. Voilà, donc les sièges ils sont pas rabattables de ce que je vois. Par contre, éclairage à LED à l'intérieur, ça c'est bien. Le coffre électrique, regardez, on appuie sur le bouton. Et moi je fais quoi? D'abord, je fais deux vidéos. Une vidéo de devant, une vidéo de derrière. Alors. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Au niveau là, de l'intérieur, regardez. Là, c'est un vrai 4 places, mais sinon il peut y avoir un 5 places qui est ici au niveau de la Trapaski. Mais regardez, quand vous appuyez sur les boutons, c'est une dinguerie. C'est vraiment bien fini. Voilà, donc. On part en voiture parce que sinon on va le prendre. Niveau écran, donc cockpit ici. Tac. Là, t'es quoi en mode déco, mode normal? Mode normal, ouais. Normal, d'accord. Et on a l'autonomie 459 km. Ouais. En mode normal à 88, ah ouais, quand même 88%, il nous reste ça. Donc j'ai pas mis ma ceinture volontairement parce que je veux entendre comment il bip sur cette voiture, parce qu'il y en a, ça crie tellement fort. Bon, bah a priori ça sonne pas, il y a juste à la voiture, elle a parlé pour dire qu'il manquait. Ah d'accord, ok, donc la voiture elle parle. Bon, j'ai même pas fait attention, hein. C'est le conducteur qui... Moi, en tant que conducteur, j'ai entendu... Ah, d'accord. Donc ici, on est avec un essayeur officiel de chez Baidi. Voilà. Vous le reconnaîtrez. Donc, un très, très bon gars. Hein. Ce mec-là, 5 étoiles. Oh, la classe, elle est là. Ah, ouais. Regardez, le professionnalisme, c'est un truc de fou. Non, Daniel, c'est à l'arrière, tu gères tout ce que tu veux. Alors, ici. Waouh. Non, il est sérieux, lui. Ouais. Il gère derrière, regardez, dans l'accoudoir, il y a une tablette. Wow, il est dans les... Ah ouais, et puis vous avez vu les appuis-têtes au niveau de l'arrière? Là, on est vraiment dans un autre monde, là. Là, ça n'a rien à voir. Ouais. Là, on est vraiment dans l'autre gamme. Là, Tesla a de quoi trembler, là. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, quoi trembler, on est d'accord. Je vous laisse prendre le volant. Vas-y. En termes de place, ça arrive. Pareil, il est pour la position, de toute façon. C'était pas en profil. Alors, allez, on part. Donc là, on est en mode normal. Ce sera directement à droite. Droite. On est en épingle. Ouais.
On va essayer de voir. Est-ce qu'elle braque beaucoup? Ça me braque. Pour le gabarit, c'est un bon moyen de braquage. Ouais, ok. Finition à l'arrière. Bio, ça veut dire c'est une bonne sono? C'est une sono chinoise, donc je vous laisserai essayer. Ouais. Ça a plutôt convaincu jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, vas-y, mets un truc là pour voir. Tu veux que je le fasse peut-être? Tu veux que je gère la musique? Non. Oh, bien. Ah, le son bien. Par contre, on va juste la couper parce que c'est une histoire de droit d'auteur. Sinon, okay. YouTube, il me coupe. Mais par contre, les basses, elles sont là. Le son. Voilà. Non, franchement, là, par contre, je valide. Ah oui, ça part. Hein. Ouais. Ouais, il y a 516 chevaux. N'hésitez pas à être doux pour les premiers. Les premières accélérations. Les premières accélérations. Tu veux que j'appuie? Non, plutôt doux, justement. Ouais. J'ai sorti la voiture. Ok, t'inquiète. Ça reste un truc à 4 roues, un volant. Ouais. Et il y a 70 000 euros. Et les jumelles sur une partie du sport. Effectivement, il y a des jumelles. Enfin, pas deux filles. Ouais. Des mecs avec des jumelles. Ouais. Voilà. Non, franchement, c'est pas mal. Ah, en kilopascal. Ah non, la pression en kilopascal et la température des pneus. Ok. Sur votre droite. Sur la droite. Ok. Suspension. Mieux que le véhicule de. Ah bah rien à voir. Ouais. On est beaucoup plus souple. Là vous êtes sur un mode confort. Ah, parce qu'en plus on peut piloter la suspension. Oui, c'est mécanique. Mais vous avez deux modes de suspension. Véhicule settings. Et là vous êtes en mode confort. Vous pouvez également régler la direction. La direction assistée. D'accord, si on veut plus dur ou moins dur. D'accord. Exactement. Et pareil pour la pédale de freinage. Ah, la pédale, là j'ai lâché. Ah, donc là c'est. Je trouve que, bon, après j'étais à une basse vitesse aussi, il faudrait que je refasse le test. Mais est-ce qu'on peut faire la conduite à une pédale? Non, pas sur cette voiture. D'accord. Ah, c'est dommage. C'est un objectif pour la marque plus tard. Plus tard. Ils veulent d'abord s'implanter avec leur véhicule électrique, montrer qu'ils connaissent ce qu'ils savent faire, qu'ils font. Et ensuite, dans les futurs modèles, ils envisagent de passer sur une monopédale. D'accord. Là, si je lâche le pied du frein, elle va avancer? Non. Ok. Donc elle a le auto-hold. Donc là, on va prendre légèrement à droite. Par contre, si je peux me permettre. Oui, tu peux te permettre. J'ai un truc qui me chagrine, moi. Ouais, c'est quoi? C'est que pour justement un confort à l'arrière qui est énorme, bah, par exemple, il n'y a pas de prise USB à l'arrière, il n'y a pas de. Mais tu peux pas tout avoir. Hein. C'est un truc bête, non? C'est moi ou. Non, mais c'est. Je peux monter à l'arrière, je peux vous dire, j'ai pas cherché. Il n'y a pas de trappe ici. Il y a de la connectique dans le. J'ai pas de trappe là. Oui, mais après, tu peux prendre de la coudoir pour mettre derrière. Hein, donc, ouais, mais le truc, normalement, non. Mais fais gaffe la caméra, toi. Je te filme, t'inquiète. Ouais, mais après, je vais être obligé de faire des montages chelous. Eh, oh. Ok. Ah, si, ça régénère plus que l'autre tout à l'heure, alors que je vais moins vite. Là, vous êtes sur le mode larger, donc la régénération la plus importante pour le véhicule. D'ailleurs, le deuxième mode qui est plus standard, où il y a beaucoup moins de freins moteurs et la génération est plus faible. D'accord. Ah oui, là ça charge. Ah oui, non, franchement, ça charge pas mal. Ouais. Eh, on est à moins 20 là. On n'est pas sur du monopédage, on récupère quand même beaucoup d'énergie. D'accord. Alors là, j'ai mis un vert bizarre. On peut régler la lumière ici, on a tout. Hein. Je monte l'écran. Hein. Donc là. À gauche. Donc là on a tout la musique, on peut gérer la zig d'ici. Là pour changer la thématique là au milieu tout. Ça se passe comment? Vous avez le bouton juste ici. Ah bah c'est le bouton pour switcher. Vous mettez là et puis après droite ou gauche. D'accord. Donc, tout est plus ou moins modifiable. Tout est paramétrable. C'est moi qui gère, Daniel, c'est pas toi. Mais c'est Khadija qui parle. C'est pas de la musique, il n'y a pas le droit d'auteur sur des paroles. C'est quoi le bruit là? Ça c'est clignotant. Mais on peut avoir un clic-clic. Ah d'accord. On peut avoir un clic normal. C'est pareil, c'est modifiable dans les paramètres du véhicule. Wouh purée! Ça envoie. Hey. Ah oui, moins 80 et quelques. Wow. Ça, elle envoie. On est sur un freinage Brembo. Ouais, non, mais. Un freinage sport. Les disques sport et les freins sport. Ouais, je vois qu'on est dans le. On n'est pas dans une Mégane. Non, on est vraiment. Il y a les 500 chevaux, mais on est capable de les arrêter, les 500 chevaux. Ouais. Eh, franchement, j'ai testé une Model 3. Et ben, je suis plus bluffé par cette voiture que la Model 3. Non, puis par contre, après, même les finitions, c'est top.
Ah, niveau finition, on y est. Ouais. Sur piqûre, comme ça, clac, clac, gaufré. Le son chinois, là, c'est un bon son. Ça, c'est bien aussi, là, les vides poches comme ici. Ça, pour me refroidir, c'est combien le tarot aussi? 70. 72 000 euros. Ah oui, hein, c'est. Mais on ne peut pas mettre d'options supplémentaires, c'est une voiture qui est déjà full option. Ouais, ouais, c'est la seule. C'est soit tu prends ça, soit tu vas chez ailleurs. C'est ça. C'est vraiment leur modèle. C'est général. Top. Non, franchement, c'est top. Avec le Tang. Stop and start, d'accord. Ça, c'est. C'est pour changer de mode de récupération d'énergie. D'accord, ok. Ah oui, les KERS. 1, 2, 3, avec une poignée. Mais c'est juste magique. Le mid sport est normal. Est normal. Et il n'y a pas mode neige. On peut mettre en mode neige, mais sur la console centrale, il y a un bouton pour passer dans le chaussée glissante. Ah oui. Et ils vont se percuter, les deux, là. Regarde. Oh putain. Ouais, c'est des Parisiens. C'est parce que comme la voiture elle vaut cher, je tiens pas à ce qui. Ouais, parce que c'est pas moi la voiture, tu vois. Et vu comment il conduit le mec. C'est franchement c'est top. Si vous appuyez sur votre bouton sur le volant, ouais. Voilà. C'est directement la caméra. D'accord. Regarde. Est-ce ça. Que ça a le même système Regarde que la ça. Caméra de chez Tesla là, qui filme? Et hop. Qui filme l'avant vers l'avant. Non, et qui. Sentinelle. Tu pars de la voiture. Ouais. Le sentinelle, voilà. Si tu sais pas, tu demandes. Tu fermes ta voiture, tu t'en vas. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, eh ben la voiture elle filme. Ah, j'ai pas connaissance de cette option. Oh, bah alors. Bah si, c'est. En fait, t'as une alarme de. Ouais, si c'est pas Thibaut ça. Sur celle-là, j'en ai aucune idée. Il y a un catalogue d'options assez impressionnant. Bah, je crois qu'il n'y en avait pas quoi, c'était 72, c'était. Il n'y a pas d'options en plus. Non, c'est. Oui, mais enfin, j'ai le catalogue des options. Ah, qui sont déjà intérieurs. Les équipements. Les équipements. Voilà. Alors, tac, parce que ça du coup ça devient ça, ça, ça devient ça. Si vous n'avez pas le mode 3D, vous pouvez c'est en mode physique. Ouais, ok. C'est top, hein. Franchement c'est. Tac. Close. Et vous avez également une caméra ouais. dans le ouais. ce qui est accident, etc. Ah, ça c'est qui top. Enregistre, et qui enregistre. Ah, bah alors il doit y avoir cette fameuse fonction alors. Donc, c'est fort probable. Donc il y a déjà une dashcam intégrée à la voiture. C'est ça. Faut juste rajouter une carte SD. Et juste rajouter. Bon, ça je pense que c'est. Non, pour le prix, non. Je suis désolé, non. Comment ça, non. En tout cas, sur le modèle qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de carte SD. Sur le modèle final, c'est pas peut-être qu'on aura une, mais. Pas de faire l'accélération. Ça le prend toujours au trip. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça, puis la conduit depuis dimanche après-midi, puis dimanche après-midi. Ah, ils vont vous en passer une après pour. Je suis collé aussi. Dimanche après-midi, c'est moi qui la conduisais. On est fait un petit tour pour. Pas mal de problèmes, ça passe une conduite pour pouvoir discuter avec vous, justement. Mais là, du coup, on est d'accord que quand tu passes sur ta Super 5 là, que tu as chez toi pour. L'utilisation de tous les jours, du coup, ça t'embête. J'ai pas encore fait le premier transport cette semaine, donc j'ai pas encore revenu sur ma voiture. Ah ouais, ça parce que là, tu vas reprendre ta voiture, tu vas plus. Et il y a des revendeurs en France, là, ou pas encore? Alors justement, il y avait le stand Cosmopolite, qui était juste à côté de là où vous êtes venu pour me retrouver, pour prendre d'accord. L'essai. D'accord, ouais. Qui est en fait une association avec le Crédit Agricole. Ouais. Et qui vont distribuer la marque à travers l'Europe. Ok. Ah oui, mais là, du coup, en gros, il faut commander par Internet. Et après, c'est des rendez-vous éventuellement à venir sur Paris. Parce que je ne vais pas vous dire des bêtises, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des concessionnaires qui vont ouvrir en France. Oui, d'accord. Ouais, ils veulent s'implanter un peu. Si vous voulez vraiment avoir des informations sur la partie commerciale, il faut aller voir Cosmopolite ou les commerciaux sur le stand de Vibrating. Pré-siège, franchement, il y a de la place au niveau des jambes. Nickel. Il n'y a pas chipoté. Non, il n'y a pas de problème. Après, tu sais, on coupe des séquences et tout. Hein. Ouais. On met pas tout en brut. Oui, je me dis. Les éclairages, c'est tactile en haut. Là, tu tapes une fois, là, ça s'allume. Il s'ajuste. Non, ça s'allume. Ouais, c'est top. Sur le flanc, il y a un droit. Sur le tank, on peut le redresser. Ouais, ouais. Pareil, il y aura des petits éclairages ici. Il y a un bouton, il y a un horizontal ou en vertical. D'accord. Là, c'est voiture, elle n'a pas été homologuée. Ah bon? Non, ça c'est pas passé à l'homologation. De quoi? Uniquement l'écran qui pivote. En fait, c'est pas homologué. Daniel, je te montre un truc. Attends, faut que je te montre un truc, c'est la classe à Dallas. Pourquoi? Vas-y, montre. Red Bobby. Vas-y, montre.
siège électrique à l'arrière. À l'avant et à l'arrière, on a exactement les mêmes sièges. Donc électrique, ventilé, chauffant. Oui, en fait, en gros, c'est les sièges de devant, c'est les mêmes que derrière. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Parle pas avec nous, c'est bon, on est des stars là. Dans une voiture comme ça, franchement, tu te prends pour une star. Bah écoute, honnêtement, je pense que c'est une marque qui va percer. Bah je pense dans tout ce qui est VTC, Uber, tout ça, je pense que c'est une voiture qui peut remplacer la Tesla. Après, elle est garantie combien de temps? Les batteries sont garanties 8 ans par le constructeur. Ouais. 12 ans contre la corrosion. Et la partie mécanique du véhicule, ouais, c'est garantie 5 ans. Le moteur, boîte de vitesse. Il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est un variateur. C'est du direct. Il y a juste un réducteur. Ouais. Et après, ça envoie directement la puissance aux roues. Ok. Deux roues motrices. Quatre roues motrices. Un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Un à l'avant, un à l'arrière. Ça, c'est bien pour l'adhérence. Un à l'avant, un à l'arrière. D'accord. Même pas deux à l'arrière. Un à l'avant, un à l'arrière. Du coup, on a une très bonne répartition du poids. Du coup, elle reste très stable. Du coup, est-ce que tu peux, par exemple, demander à ce qu'il y ait plus de puissance à l'arrière par rapport à l'avant et inversement? Ou c'est de la puissance standard? Ah, tu vois, Non, je suis en train de lui faire la misère de. Il sait pas. Regarde. Attends, je remets. Là, je suis en train de te remettre bien. Il n'y a pas de souci. Je te mets bien, là, je te mets à l'aise. Mais détends-toi. Ouais, mais ça, du coup, tu vois, c'est pas bon parce que le passager arrière qui touche au réglage. Ça peut se bloquer. Ah, ça, d'accord. Bah, pourquoi il veut pas remonter par contre? Faut rester appuyé sur la flèche du haut. Ah, ouais. Et ça, il a cassé la voiture. Oh, mais c'est kiffant. Voilà, c'est bon, stop. Tac. Et là, du coup. Ah, oui, on voit. Non, mais arrête. Arrête. D'accord. Oui, pour VTC, on peut donner encore plus de place. Ah bah là, franchement, là, il y a grave de la place là, pour le. Non, mais par contre, c'est vrai, je pense que c'est plus simple de faire de toi. Non, voilà, non, à droite. Ah oui, c'est là qu'il y a les jumelles, je crois. Non, c'est encore après. Mettez-vous sur la file de gauche, parce qu'il y a sûrement la queue à la pompe à essence sur la file de droite. D'accord. Donc, du coup, tu vois, tu ne peux pas. C'est ce que je regardais. Ouais. Parce que ça, c'est la charge, ça, c'est la consommation. Là, on est sur Energy Manager. Ouais. On a un standard mode, il y a un dynamic mode. Et tu peux pas, genre, parce que en fait, ce qui est top. Bien chez, Piano Black. Chez Tesla, c'est que tu peux te dire je veux 70% de puissance à l'arrière, les 30 à l'avant, et ainsi de suite. En fait, si tu veux, par exemple. En fait, les moteurs sont vraiment indépendants l'un de l'autre ouais. D'accord. C'est vraiment le moteur avant pour les roues avant et le moteur arrière pour les roues arrière. Et ils ont leur propre puissance. Et après, c'est géré électroniquement. Oui, après, si la voiture il détecte qu'ils perdent la motricité, par exemple, aux roues avant, ouais. Du coup, il va mettre un peu plus de patate aux roues arrière. Exactement. Et puis, il va couper un peu le jus. C'est le système qui gère. Il n'y a plus de queue. Oh, ça envoie du steak. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, le 0 à 100. 3 secondes 9. 3 secondes 9 ah, bon, bah, il l'a dit avant moi. Ah ouais, c'est. Je suis plus impressionné là-dessus que sur la Tesla. Hein. Il n'y a pas à tortiller du boulot. Mais vous n'êtes pas moins normal en plus. Et le sport. Accroche-toi, hein. Moi je te le dis. Hein. J'ouvre pour éclairer un peu plus. Mais là, du coup, je peux pas faire une conduite. Parce qu'après, il y a les jumelles, c'est ça le problème. Ouais, mais là on est derrière une française, l'autre il a 90 chevaux. Française. Là on va aller en face, donc si vous voulez vous mettre à droite, et on va passer par l'extérieur. Parce que du coup, là, comme on est l'après-midi, la queue est sur la pompe essence d'en face. Ah oui, d'accord. Eh, 2 balles le gasoil. Ouais. Il va pas prendre pour très longtemps. D'accord. Donc le 10 pilote, c'est quoi ça? C'est ce qui c'est le pilote autonome de niveau 2. Ah oui, donc de chez BYD. Ouais, donc il reste entre les lignes, voilà. Des freinages automatiques, d'urgence, ouais. Etc. Quelle que soit la vitesse, oui. Ah, ça c'est bien. Donc on peut. Ça, c'est toujours moins performant, plus en rythme, moins c'est performant. Non mais on est d'accord. Mais tout à l'heure on a essayé une CRS qui, ouais. Elle, si t'as pas dépassé les 50 km/h, tu peux pas l'activer. Ah oui. Bon, moi tout à l'heure, sur un essayeur avec un journaliste. Sur un rond-point de priorité à droite, il n'a pas vu une voiture arriver. Ouais. Il a voulu accélérer, repartir. Il était à l'arrêt, il voulait repartir. La voiture s'est bloquée. Ouais. Parce qu'il y a la voiture qui arrivait à fond sur sa droite. Même à l'arrêt, la voiture, elle a dit non, tu veux pas y aller. Ouais. Genre, la voiture, elle va te dire, elle repasse ton permis. C'est pas un truc que t'as sur le MG, ça? Hein?
T'as pas un truc comme ça sur la MG si, par rapport aux angles? Et chez MG, t'as ça aussi. Et d'ailleurs, quand c'est la première fois que tu utilises ce genre de technologie, ça te fait bizarre. Non, mais par contre, je suis bluffé de la finition. Hein. Non, ouais, franchement. Et en plus, l'histoire de mettre un cuir style de ton, franchement, c'est bien. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui osent faire ça. Mm-hmm. Ils sont toujours sur une couleur unie, ici et tout. Attention, accroche-toi, Abdella. C'est bon. Oh, ça freine de ouf. Ouais, moi j'aime bien. Et en termes de, par rapport à l'écologie, vu que c'est des voitures électriques, il y a du recyclage, des produits recyclés là-dedans, des choses comme ça? Bah on s'en fout. Les batteries sont... Maintenant le recyclage des batteries... En même temps on s'en fout. C'est très important. On est d'accord que c'est pas une mauvaise question. Royal, tu mets 70 000 volts, t'as envie d'avoir de la performance, de la technologie et une certaine présence. Là pour le coup, tu te ramènes ça dans je suis pas d'accord. Etc. Franchement, je suis pas d'accord, moi je pense pas qu'il y ait de classe sociale par rapport à l'écologie. Arrête. Là, t'as claqué. Donc à part les batteries, il n'y a pas des produits recyclés dans la voiture. Tu dois avoir le plastique qui doit être issu du recyclage. La voiture est vraiment faite dans un objectif écologique. Ouais, quand même. Ouais. Et les batteries, elles sont vraiment recyclées beaucoup plus qu'avant. Ouais. Je vais pas vous dire de chiffres parce que je sais plus les chiffres. Sans donner de chiffres. Est très important des batteries, on a plus ce problème là. Tiens, filme ici là au niveau de la console centrale, parce que là ça vaut le coup quand même que ça soit filmé. Parce que d'une, le levier de vitesse il sort du lot, mais en plus de ça, ça éclaire sur le levier de vitesse en lui-même. Ah ouais, c'est beau, ouais. Tu vois ? Et là, franchement, ça tu vois, c'est par rapport au recyclage, ça j'en ai rien à foutre. Toi. Mais on s'en fout du recyclage. L'effet carbone, voilà, ça aussi c'est intéressant. Tu vois, là-bas, ils ont gaulé des gens en excès de vitesse. Ils sont juste là. Ils ont chopé. Donc, c'est de la DS. DS5. Je trouve que ça se rapproche très vachement de DS. Tu peux ouvrir, s'il te plaît, Voilà. Ah, bah, tu vois, t'as deux prises ici. Et t'as de l'induction. L'induction juste ici. Ah non, là, c'est pour la clé. L'induction ici. Et ça, c'est pour mettre la clé si jamais la pile, elle est morte. Et ce qui est bien, c'est que je peux charger mon cigare. C'est une clé, elle est comme ça. Ouais, ils font tous comme ça, tu vois, ils se rapprochent tous des trucs Porsche. C'est Porsche. Voilà. Donc si la clé, elle n'a plus de pile, tu la poses là-dedans et puis elle détecte et c'est tout. Maintenant, je fais un gros burn là devant les. Mais par contre. C'est pas des flics, c'est des contrôleurs. Non, mais il y avait les jumelles, je les ai pas vues là. Ah non, ils sont partis, la voiture était là. Ils étaient là. Vous avez de la chance. Mais je reste persuadé que tu vois les deux prises USB, ils auraient dû en mettre ici pour le clear. Vous avez deux prises là, et nous on a quand même nos prises dans le. Ouais, mais ça veut dire que le mec qui veut se poser son coude ici peut pas. Ouais. Bah si, parce que le câble tu peux le faire passer par derrière. Ouais, non, Daniel, non, c'est une tannée, tu vas les écraser. Non, Daniel, non, non, Daniel. Pourquoi il a. Soyons réalistes. Éclairé là. Là, ça a coupé. Vous avez pas allumé les phares? Non, c'était en mode automatique là, tu vois. En mode auto? Ah bah il a allumé les... Et comment c'est que les lumières sont allumées? Non, ça vous êtes en mode automatique, les lumières sont allumées. Regarde, et il est pas allumé parce qu'on a que les feux de jour. Non, on a que les feux de jour, oui. Non, c'est allumé. Bon bah écoute, c'est un bug. Il y a une distance, un mode automatique de gestion de la luminosité. Oh. Et vous avez vraiment le damier lumineux et toute la lumineuse qui court dans toute la voiture. Ouais, je l'ai réglé tout à l'heure. Et qui peut se baser sur la musique. En plus. Bah comme sur MG. Je suis désolé. Attends, droite, gauche, comme le bus. Légèrement à gauche. Mais par contre, non, franchement, j'adore les sièges. Ils sont vraiment super beaux. Les sièges, ils sont confortables. On est bien dedans. Le dossier, je trouve qu'il est bien. Affichage tête haute. Il va peut-être se mettre en place aussi, ça. C'est affichage tête haute. J'ai roulé avec dimanche quand il y avait le soleil couchant. Ouais, c'est sympa. En plein dans les yeux. Ouais. On voit super bien l'affichage tête. Ouais, c'est agréable. Il y en a plein qui n'aiment pas l'affichage tête haute. Avec la luminosité, on ne perd pas la visibilité sur l'affichage tête haute. Je passe tout doucement parce que. C'est bon. Bah, c'était bon. Donc là, c'est quoi Active Safety? C'est quoi? C'est les caméras qui sont. Là, je suis en écho. Hein. Donc c'est quoi Active Safety? C'est. Tout droit encore? Ça prévient, c'est des collisions, c'est ça? Ouais, c'est ça, front crossing, traffic alert, ouais, ça bip, etc.
Là, on va à gauche. On prend pas celle-là, on prendra celle encore après à gauche. Celle-là, là ? Ouais, là où comme la Peugeot. C'est propre. Et franchement, on croirait pas qu'on est dans une grosse berline à conduire. Hein. Je vais pas dire qu'on est dans une Clio, hein, mais franchement, on n'a pas l'impression d'avoir un gros gabarit à gérer. Dès qu'on fait sur un plan. Ah, t'as vu, tout le monde là, ouais, et tout le monde là qui s'est retourné, les mômes là. Ouais, tout le monde s'est retourné. Oh là là, la voiture. Non, franchement, le confort des amortisseurs, je pense que c'est le côté. Tu sais, le côté wow que t'avais sur Tesla avant, bah tu l'as sur celle-là. Tu sais, au début de Tesla, il y avait ceux qui aimaient et ceux qui aimaient pas. Hein. Mais ceux qui aimaient, c'était tout de suite, ils faisaient un torticolis. Hein. Mais non, franchement, c'est. Non, ça, c'est le son. Bon, après, il faut juste s'y faire au volant. Donc, ça, ah non, ça, c'est le. D'accord. Et c'est ça. Ça. Après, c'est celui-là. Ah oui, donc on peut choisir le compteur oui. Aussi. Allez, je veux celui-là. Oh la classe à Dallas. Eh ben ça, par contre, tu vois, c'est un truc que toutes les voitures électriques pourraient faire. Alors que là, je crois qu'il n'y a que... Il y a que... enfin, c'est la première fois, tiens, la rouge. Ouais. Il y a... c'est la première fois que je vois qu'on peut changer le cockpit. Là, on ira en face. Si je veux. je vais me barrer avec. Moi j'aime bien. Ventilation, on peut gérer. La voiture en bonne condition. Ça c'est. On peut tester le système de la voiture. Vas-y, vas-y, je te. Et elle nous dira si la voiture est en bon état. On peut faire un check en fait. En fait, il y a une valise à diagnostic intégrée. Exactement. Alors, véhicule ELF. On peut faire afficher le statut de la voiture. En face, ouais. En face comme la Peugeot. Donc, on peut checker, ça affiche que le statut est bon. Ouais, que la voiture a suivi les maintenances, etc. Les mises à jour, c'est automatique sans passer en concession ou il faut passer en concession? J'ai pas cette information là. D'accord. Là, on va faire tour du rond-point pour aller à gauche. Pour ouais, porte D. Porte D, exactement. Et donc là, on est à 70-72 000 euros. On est à 72 000 euros, oui. Et le prime SUV. Écologique, c'est mort. Il n'y a pas de prime écologique là-dessus. Je crois pouvoir vérifier. Si, 2500 balles. Mais je crois qu'avec le prix de la voiture, c'est pas très élevé. D'accord. Ouais, c'est 2500 euros. C'est premium, quoi. C'est vraiment pour. Ouais, parce que là, pour le coup, ça concurrence vraiment les Mercedes. On est en train de conduire une voiture. Une marque chinoise. Build, c'est ça? BYD. BYD. Ah, c'est très compliqué. Ah, c'est comme ça que c'est BYD, ouais. C'est pas mal, ça. Une belle concurrence à Tesla. Ça veut dire Build Your Dream. Ouais, ouais, j'ai vu. C'est vraiment à l'anglais. Non, mais par contre, c'est pas mal en deuxième choix plus tard, pourquoi pas. Super. Alors après. Ouais, non, mais quand on aura revendu l'autre. J'ai lâché le non, pas, pas la 308. Deux hein. Fois. Ouais. Ok, super. La MG, je te parle. Quel doc. Ah ouais, t'inquiète. Mais ouais. Et en assurance, on paye combien en assurance? Donc voilà, j'ai récupéré le téléphone et on va pouvoir refilmer. Bon, et du coup, je mets pas la ceinture, ça sert à rien. Juste à l'intérieur du parc. Euros par mois. Donc grand écran. On peut regarder des films là-dessus ou pas? Ouais. On peut mettre une carte, on peut mettre une clé USB, une carte SD, donc je pense qu'il y a possibilité de regarder des films, ouais. Effectivement. D'accord, ok. Mais par contre, dès qu'on roule, ça doit mettre un écran noir. C'est ça. D'accord. En tout cas, ça décale le son. Ok, en fait, t'as que le son, t'as pas l'image. Il y a le son et l'image. Ben, je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder une vidéo YouTube sur votre téléphone et connecté en Bluetooth à la voiture. Ouais. Le son étant décalé par rapport à l'image. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Pour empêcher les gens de faire comme au cinéma, quoi. D'accord, ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Bon, après, les geeks, l'objectif, hein, c'est de trouver un système pour mettre Netflix et compagnie là-dessus. Hein? Pour voilà. Par exemple, comme tu disais, le chauffeur. Il regarde pas l'écran, mais celui qui est derrière, parce qu'on a un bel écran quand même, celui qui est derrière, il pourrait regarder l'écran.
se mettre un film. Bah oui, il pourrait, mais en France, la législation interdit l'utilisation de l'écran, même si le chauffeur ne regarde pas. Malheureusement, ça reste interdit parce que c'est à l'avant. Tout à fait. Ouais. C'est la législation française, elle est comme ça. Hein. Après, ici, le levier, franchement, pff, oh là là, FK, tu vas arracher le goudron. Et le SUV, il est à combien le SUV? C'est à peu près dans les mêmes prix, j'ai plus le tarif en tête, mais on est autour de 70 000 euros aussi. Ouais. Mais franchement, là, on est sur du haut de gamme. Hein. Là, il n'y a pas. On est vraiment bien là. Regarde les caméras. À niveau qualité, là, on est dans du bon. Hein. Excellente. Non, c'est pas mal. Attention, on regarde s'il ne va pas percuter la borne derrière. Oh! C'est un professionnel, on a eu affaire à un professionnel. Bah écoute, je te remercie pour cette vidéo, pour cet essai, ça a été très intéressant. Merci à vous. Franchement, les gens qui veulent une Tesla, réfléchissez. Hein. Venez tester la Baidi.